David Carmo qui est allongé. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu, José Gomes? Non, il va pouvoir poursuivre le capitaine portugais, mettre ce ballon dans la surface de réparation. La remise de Trincao, penchant Philippe. Oh, le mouvement, il est beau. Et la boulette d'Alessandro Pizzarri, le gardien italien, juste avant la pause. Et le Portugal qui mène 1-0. Magnifique remise en retrait de Gomes là pour Philippe, encore une fois, qui d'une manière très très adroite met le ballon, même si le gardien fait une petite erreur. Oh, l'enchaînement de João Philippe, contrôle de la poitrine, frappe enchaînée. C'est du très haut niveau, c'est loin d'être du haut niveau, hein, malheureusement. Alessandro Pizzarri, le gardien de l'AC Milan, là. Oui, elle est difficile à reprendre pour lui, hein. Il y a un rebond devant. Florentino. Ouais, ce ballon, il est bon. Ballon, il est très bon. Le contrôle de la poitrine. Est-ce qu'il va avoir la réussite? Oui, il va l'avoir. Il y a l'arrêt de Pizzarri. Mais derrière, il y a Trincao. Première offensive. C'était pour João Philippe. Repoussé par Pizzarri. Trincao offre peut-être la victoire finale au Portugal dans ce championnat d'Europe des moins de 19 ans. Il y a juste un appel en profondeur, un ballon qui est impossible à donner. Capone, Moïskine pour relancer l'Italie, la 75e minute. Le but du 2-1, l'Italie relancée, et il va rester du temps. Le match, il n'est pas fini. Tout peut arriver. Ballon pour Scamacca maintenant. Oh, le décalage là pour Zaniolo qui va pouvoir centrer pour Moïskine. Oh, le doublé de Moïskine, énorme. En deux minutes, l'Italie est revenue dans cette finale du championnat d'Europe des moins de 19 ans. Célébration à la Balotelli. L'Italie est revenue. Mais depuis, il n'y a eu aucune victoire italienne dans la compétition. Pedro Correa qui reste debout. Oh, attention pour João Philippe. Oh, João Philippe, énorme but de la part du petit 7 portugais, du mini Cristiano Ronaldo. Oh, le Portugal mène 3-2 dans cette prolongation. Et le Portugal qui possède des joueurs d'avenir, la relève est là. Cette génération qui a remporté le titre de champion d'Europe il y a 2 ans chez les moins de 17 ans va peut-être le faire également chez les moins de 19 ans. Mais non, parce qu'il y a l'Italie qui revient encore dans le match, dans cette finale. Scamacca, son mètre 95, relance cette finale de l'Euro des moins de 19 ans. Incroyable. Les Italiens là ont quand même des joueurs assez surprenants, que ce soit Scamacca ou Keane, n'ont pas été très présents dans le jeu. Oh mais attention, la 109e minute, juste après l'égalisation de l'Italie. C'est Pedro Correa qui redonne l'avantage au Portugal. C'est une finale complètement dingue, une prolongation folle. Qui va l'emporter? Le Portugal repasse devant 4-3. C'est incroyable ce match. Jusqu'au bout, il se passe quelque chose. La Correa fait un superbe contrôle. Il se retourne au milieu de 3 défenseurs. Il réussit à mettre une frappe au sol. Et encore sur un service de João Philippe. Le Portugal est enfin champion d'Europe chez les moins de 19 ans.